Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous allons parler du jour magique du 11-1-24. C'est un jour magique parce que, bon, voilà, c'est quand on l'écrit, je ne sais pas, quand on le signe à bas d'un contrat, d'un chèque, on ne met pas la date entière, on met juste les chiffres, les nombres, et puis, bon, voilà, alors du coup, on regarde et puis on se dit... Ah, mais c'est un joli jour, ben oui, il vaut mieux le mettre positif, hein, c'est un jour positif pour vous. Voilà, si vous influencez, c'est positivement. C'est pour ça que quelque part, ça peut devenir un jour magique, hein. Ben oui. Oui, il y a des choses simples dans la vie, hein. Alors, le 11, bon, voilà, le 11, alors numérologie, vous connaissez, hein, bon, je ne vais pas vous en parler, mais le 11, c'est quand même un jour... positif, très positif dans le mois. Voilà, j'aime bien ce chiffre 11. Le chiffre 1 qui se regarde, 11, bon, ma foi. Bon, non, ça ne correspond pas à novembre, si vous voulez. On n'est pas en numérologie, on est en jour magique. Donc, ben, ça donne confiance en soi. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, bien sûr, après le 11, c'est 0-1. 0, c'est un stop, un arrêt. Donc, la confiance en soi, mais ne débordez pas trop, hein, voilà. C'est un point d'arrêt, là, peut-être. Donc, prenez un peu de recul et patientez avant d'agir, peut-être. Et puis, alors, 24, alors là, le 24, l'année 24, c'est une année avec il va se passer des choses très inattendues dans l'ensemble, au niveau universel, hein, des choses qu'on ne s'y attendait pas. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas dans la vie des... particulier, voilà. Donc, bien sûr, ça sera, il y aura des chances à saisir. Et pourquoi pas? Donc, voilà, il y aura des opportunités toute l'année 24. Et donc, voilà. Je vous ai donc dit que pour le 2, bon, c'est 2-24, le 2-0. 24, hein, 2024, voilà, et bien, c'est pas, voilà, il vaut mieux écrire 24, tout court, voilà, ça sera plus positif, parce que sinon, vous passez après les autres, vous allez devoir stopper, arrêter, non, non, alors, ben, j'espère que vous choisirez le chiffre, comme je vous l'ai dit, hein, 24 seulement, d'accord, voilà, voilà ce que je voulais dire au niveau des chiffres, du chiffre magique, de la journée magique, du 11-1-24. Dans l'ensemble, c'est pas si mal que ça, d'accord? Profitez de cette journée pour agir, pour aller de l'avant, pour éventuellement arrêter, réfléchir, avant d'agir un peu plus vite, d'accord? À bientôt, merci, au revoir!